Bonjour à tous, je suis Marcos et je vais être le présentateur de cette émission C'est Mandali. Dans cette émission, on va écouter une histoire inventée, une devinette. On va parler de cinéma, de rugby. On commence avec la devinette de Mara et Vera. Bonjour les filles. Bonjour à tous, voici la devinette. Je possède un chapeau, mais je n'ai pas de tête. J'ai un pied, mais je n'ai pas de chaussures. Qui suis-je? On écoute les réponses. Bonjour, Amparo. Peut-être un épouvantail. Bonjour, Anna Sofia. Un arbre. Bonjour, Gadea. Je crois que c'est le champignon. Bonjour, Luciane. Un champignon. Bonjour, Manuel. Un cintre. Bonjour, Madame Maudier. Un escargot. Bonjour, Rosemary. Oh, je suis un très beau champignon. Bonjour, Suzy. Alors, je vais dire quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Alors, je vais dire le A avec un accent circonflexe. Merci. Vous restez pour nous dire la réponse à la fin de cette émission. On continue l'émission avec Carlota et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marcos. Nicolas, de quoi vas-tu nous parler? On va vous parler des marque-pages que nous devions décorer en classe. Toute l'école de primaire a participé. On a vendu nos marque-pages à notre famille pour donner l'argent à une ONG qui s'appelle Save the Children. Carlota, tu peux nous expliquer à quoi sert l'argent? Les Rohingyas, un peuple de Birmanie, a dû fuir son pays pour se réfugier au Bangladesh, le pays voisin. Ils habitent dans des camps. L'argent sera utilisé pour que les enfants puissent aller à l'école, pour qu'ils puissent s'habiller, avoir à manger et avoir une maison. Le lycée est très content parce que nous avons envoyé 1621 euros. Merci à tous pour votre générosité. Merci Carlota et Nicolas de nous avoir raconté l'histoire de ces enfants. On va écouter une autre histoire, mais celle-ci a été inventée par Maria, Celia et Isabelle. Bonjour les filles. Bonjour Marcos. Bonjour. Il y a très longtemps, dans un village très très petit, vivait une petite fille de 13 ans appelée Clara. Ses parents étaient des explorateurs qui avaient disparu dans une aventure dans la jungle. Mais Clara avait l'espoir qu'ils reviendraient un jour. C'était un matin d'été, une personne frappa à la porte. C'était un monsieur avec un chapeau. Il lui donna une lettre et il lui dit qu'elle pouvait aller vivre dans une maison qui appartenait à sa famille il y avait longtemps. Le lendemain, elle alla visiter la maison et elle trouva une boîte avec des choses d'explorateur et une carte. Sur la carte était tracé un croix sur un lieu précis. Clara décide de trouver la route. Après plusieurs jours de recherche, la petite fille se trouva devant la route, elle voit une lumière et elle la suit. Puis elle voit un liquide rouge et elle croit que c'est du sang. Elle continue avec peur, mais elle voit une boîte de jus de fruits et elle comprit que le liquide était en réalité du chou. Elle suivit la lumière et elle trouvait un sol avec du sable. Le lendemain, quand elle alla prendre son petit déjeuner, Clara découvrit qu'elle avait des pouvoirs magiques. Avec les années, elle apprit à utiliser ses pouvoirs. Un jour, elle était en train de se promener et elle rencontra ses parents.
qu'ils en réalité, eux aussi, étaient des magiciens qui vont tous dans une planète, Jupiter, et ils restent là pour toujours. Merci pour cette histoire pleine de mystères. J'espère que d'autres auditeurs écriront des histoires et nous les enverrons. Maintenant, écoutons Miguel qui a interviewé son papa José Manuel sur le rugby. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Miguel, y buenos días a todos los oyentes de Radio Kids. Te voy a hacer tres preguntas, ¿vale? Ok. ¿Por qué has elegido este deporte y no otro? Elegí este deporte porque, estando en el instituto, un profesor fue por las clases reclutando jugadores para un nuevo equipo de rugby. Y comencé a entrenar y me di cuenta que era un deporte que, además de que me gustaba, se me daba bien. ¿Qué te ha enseñado el rugby? El rugby es un deporte colectivo y sobre todo lo que te enseña es confianza en tus amigos y en tus compañeros de equipo. ¿Cuándo y por qué has dejado División de Honor? Dejé de jugar en División de Honor con 31 años y fue porque tuve que tomar una decisión. El rugby en ese momento era un deporte amateur. O sea, eso quiere decir que no se cobraba por jugar, no era un deporte profesional y tenía que tomar la decisión entre el trabajo y el rugby. Y entendiendo que no podía estar comprometido al 100% con el rugby, pues me tocó dejarlo. Muchas gracias, José Manuel, que tengas buen día. Merci Miguel et José Manuel pour cette interview. On a presque fini cette émission, mais avant, Lucas et Eduardo nous proposent une chronique cinéma. Bonjour Lucas et Eduardo. Bonjour Marcos. De quel film allez-vous nous parler? On va vous parler à Le Monde de Caroline. Le film part d'une fille qui s'appelle Caroline. Sa maman est méchante avec elle. Mais un jour, Caroline lui demande une clé et avec cette clé, elle ouvre une petite porte qui la conduit sur une planète où les gens ont des boutons à la place de cheveux. Dans ce nouveau monde, la maman de Caroline est très gentille. Mais c'est parce qu'elle veut mettre les boutons à Caroline. Moi, me plaît parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va passer. Et aussi, il est très étrange. Aussi, il est très bien parce que à moi, j'aime les films à pâte à modeler. J'aime pas ce film parce qu'il est un peu sinistre. Parce que les dessins sont faits avec pâte à modeler. Et il y a des fois qu'il te donne peur. Moi aussi, je vous conseille ce film parce qu'il y a du suspense. Merci les garçons pour cette chronique. Mara, c'est le moment de nous donner la réponse à la devinette. Et la bonne réponse était... un champignon. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Voilà, cette émission est finie. Merci de nous avoir écoutés. On nous retrouve le 9 juin pour une nouvelle émission de Semaine d'Ali. Si c'est pensé à la radio! Radio Kids!